Ça va toujours bien? Oui! Prochain invité, c'est le meilleur dans son domaine. C'est un imitateur et c'est vraiment le meilleur dans son domaine. Il a gagné le nez, la découverte du grand rire en 2003. Il va passer tout l'été au lac de l'Âge, près de Québec, avec François Léveillé. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Stéphane Bélanger! Dans l'humour, il y a un manque de culture énorme. Trop d'humoristes au Québec. Les humoristes, de plus en plus vulgaires. Les animateurs de gala manquent de contenu. Les humoristes, pas assez engagés. Mais qu'est-ce que c'est ça? Hey, ça va si mal à l'humour, chose? Non, mais ça va mal en tabarnak. Hey, non, mais hey, ça se peut-tu dire ça, les journalistes? Êtes-vous fous, chose? Que les humoristes sont pas assez engagés? Qu'ils manquent de contenu? De la contenance? Moi, c'est plutôt de l'incontinence. Non, non, mais c'est parce qu'on dit que trop d'humoristes au Québec! Et moi, je vais régler le problème. Non, non, mais c'est vrai, vu que je suis la peur des humoristes. Non, non, quand même. Je sais, je suis le meilleur. Bon. Ceux qui ne croient pas à ça, c'est parce que c'est du monde de Chamédé. Bon. Non, non, mais c'est vrai, tabarnouche, hey! Moi, j'ai décidé de vous les offrir un paquet de deux. C'est fini, les one-show. Fini, n'a plus de one-show. Non, non, il va être deux, des duos, chose. Alors, le premier duo que j'ai pensé. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on les accueille, s'il vous plaît. Louis-José Aude et Réal Bélan, hey! Yes, sir, man, je suis content que tu l'as! Des affaires qui m'écœurent, man! Toi, Réal! T'as raison, d'ailleurs! Non, mais t'as raison, man! Parce qu'on dit, les humoristes, tu sais, ils manquent de contenu! T'sais, c'est poche! C'est poche, man! Non, mais c'est vrai! Tu sais, nous autres, les humoristes, ça, ça veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, n'importe qui, man. Maxime Martin, Martin Matt, Martin Petit, pas le Martin, trouver l'intrus. Merci! Non, mais c'est vrai! Tu sais, comme exemple, exemple qu'on n'est pas poche. Tu sais, l'autre jour, je faisais du pouce. Tu sais, quand tu fais du pouce, hey, je m'en vais cheminer! Ça, c'est poche. Non, mais c'est vrai, là, j'embarque avec un gars, il m'emmène manger jusqu'à me toquer. Hey, je suis allergique au chat, man. Là, maintenant, il y a une mouette qui chie dans vite. Là, il me regarde, il dit, vois-tu l'essuyer? Hey! Elle rentre même trop loin. Hey! Non, mais ça, c'est vrai. Puis, il y en a d'autres qui disent que les humoristes, ils parlent mal. Ta gueule. On parle bien. Toi, Réal, trouves-tu qu'on parle bien? Trouves-tu? Moi, je trouve juste qu'il y en a qui parlent. Non, je me suis trompé. Non, mais je vais vous dire une affaire. Là, les féminines, vous allez être contentes à tabarnouche. Y'a-tu des féminines le soir? Oui. Oui, ça répond pas fort. Oui. Êtes-vous dans la période des 100 cordes, c'est quoi? Fais jamais ça, tirer 100 cordes, toi. Elle va exploser. Après ça, ça revole partout. Hein. Non, non, mais là, hey, les féminines, là, c'est, avec ce que je vais vous dire, c'est le temps de vous réjouir. Puis à soir, vous enlèverez le riz. Bon. Oui, j'en ai des plus faciles pour les gens de Chamédé. Non, non, c'est vrai, hey, OK. Parce que dans l'humour, non, non, ce qu'il nous faudra, ça serait un duo de filles. Ouais. On vous envoyera pas au front demain matin, non? Ben Dieu! OK, on va recommencer ça, on va mettre du pep. Ce qu'il nous faudra dans le monde, c'est un duo de filles! Oui! Non! Non, mais c'est vrai, pensez-y! Parce que, une humoriste, non, non, ben, tu sais, une humoriste seule dans le monde a déjà de la misère, peut-être qu'à deux. Je sais qu'il y en a des très bonnes au Québec! Sauf qu'on peut les compter sur les doigts de la main.
Tandis qu'un ouïe, c'est les doigts, les orteils, tout ce qui dépasse. Non, non, c'est pas vulgaire de dire ça. Parce que moi, justement, je vais régler le problème de vulgarité chez les humoristes. Si on prend les deux humoristes les plus vulgaires du Québec, puis on les met ensemble, ben ça s'annule. En tout cas, j'espère. Mesdames et messieurs, Mike Ward et Peter McLeod! Hey, calé, je suis content d'être ici d'asseoir, hein? Un matin, j'étais dans le village gay, est-ce qu'il me sentait écarté? Un moment donné, je vois une femme, hey! Vu que j'étais là, elle venait profiter à Montréal, hein, elle était d'un salon de massage érotique. C'est la première fois qu'elle est là. Quand j'arrive là, je regarde la fille, salut Mélanie! C'était ma soeur. Pas ma soeur, ma soeur, tabarnak! Elle dit, c'est 20$ dans la chaîne, 15$ sur le divan, pis 5$ sur le prélat. J'étais là, 20$, 4 fois sur le prélat. Hey, salut, Mike! Bonsoir, tout le monde! Moi, c'est Mike Ward, t'sais, pis... Content, tabarnak, d'être ici à soir. T'sais, vraiment content, t'sais, parce qu'hier, je t'ai retrouvé de Claire Lamarche. Yes, sir! Parce que moi, quand j'étais jeune, mes parents m'ont comme crissé là. T'sais, c'est parce que j'ai joué à cachette avec eux autres, pis je les ai jamais retrouvés. Je capotais. Donc, c'est vrai, parce que moi et ma mère voulaient pas m'allaiter. Tu sais, Chris, elle voulait qu'on reste des amis. Hey! Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais laid. Merci. Hey non, là, pas de claque là-dessus, gaulliste. Quand ma mère, elle me promenait dans le carrosse, les autres madames, ils regardaient le carrosse. Ils regardaient ma mère. Il est dans le carrosse, il est dans ma mère. Finalement, il disait, oh, là, c'est un beau carrosse, ça. Mais moi, ma mère a pris une assurance sur moi. Tu sais, 1 000 000, j'avais 5 ans. Puis elle m'a expliqué, hey, mec, quand la lumière est rouge, tu cours! Fait que moi, je me suis ramassé d'un orphelinat. Tu sais, des sœurs. Tu sais, les Anglais, ils appellent ça des nounes. Puis. Des nonnes, tabarnak! Des nonnes! Hein, comme à soir, c'est plein de nonnes! De nonnes! De nonnes! Il y en a peut-être! Mais moi, quand j'étais jeune, hey, j'ai eu une belle enfance. Moi, j'ai voyagé, j'étais en Afrique! Ouais, monsieur, j'ai connu c'était quoi? La roulette africaine. Ça, c'est comme la roulette russe. Tu sais, la roulette russe, là, t'as un gun, t'as 6 trous, pis bang! Mais la roulette africaine, il y a 6 femmes qui te mangent, y en a une, c'est une cannibale, pis couche! Non, non, ben je viens de réaliser ça. Je viens de me rendre. C'est qui, hein? Hey, je viens de me rendre compte d'une chose. Non, non, mais pour faire un vrai duo, qu'est-ce que ça prend? Non, non, ça prend pas des duos de pays. Ça prend des points communs! Au pays, être des frères, tu sais. Hey, je l'ai, mesdames et messieurs, les Denis Drolet! Hey, bonsoir tout le monde! Hey, bonsoir! Salut, Denis! Ben ouais, salut, hostie! Denis est enceinte! Ben oui, comme toi, là! Denis, hey, sois poli! Ben oui, t'es enceinte, comment tu vas l'appeler ton petit? Mon petit poulet. T'as une bonne idée? Hey, on se pratique-tu avec des parents, puis on joue au Monopoly? Moi, je prends l'avenue Baltique. C'est ça, monsieur veut gagner tout de suite, asti! Moi, je prends un stationnement dans le coin. Je ramasse le pote. C'est pas légal, Denis, de s'en va à Brésard.
De toute façon, Denis, on a gagné toutes les deux. On est rendu sur le même terrain en même temps. C'est quoi cette avenue payante-là? Kentucky. Hey, Denis! Denis, mais tout le monde! Salut! Hey, Denis! Je suis énervé parce qu'à soir, on va faire un duo! Un duo? Faudrait deux. Ben oui, c'est qui qu'on engagera bien, donc? Hey, je le sais, on va jouer à deviner mon idée! Michel Barrette! Ah, comment que t'es fait? Les astis de l'hydrolette de Calis! Les astis de l'hydrolette! Hey, ils veulent faire des duos, Chris! Des duos et moi, Michel Barrette! Hey, ça, c'est comme l'autre qui veut faire des trios, là! T'sais, ils font des trios, ils font des duos, des trios! Qu'est-ce qu'ils nous accueillent, les restaurants, ça? Ils nous accueillent les combos, là! T'sais, les combos, là! T'sais, tu peux plus manger un spaghetti tout seul! C'est ce spaghetti, il vient fettuccine, des ailes de poulet, des frites. Ah ouais, par là, hey, ça va boucher les tuyaux en dedans, c'est comme mettre de l'eau dans le gaz, ça, galisse. Parlant de gaz, l'économiseur de gaz. Là, je parle du char hybride. Tu sais, le char hybride, là. Tu sais, la smart, là, tu sais, dans la petite beau smart avec ça, là. Tu sais, t'as pas de valise, Chris, après ça. Hey, un char hybride, t'es-tu en gaz, t'es-tu électrique, t'es-tu en gaz, t'es-tu électrique, quand t'es sur l'autoroute en avant de moi, t'en souviens votre branchée, Chris! Mais hey, les chars hybrides, ils sont pas de valise, va dire à ta femme, chérie, viens-tu faire un tour chômeté? Amène pas ta valise, y'a pas de valise, est-ce-tu? Non, mais c'est vrai, hey, moi, faire un joke les Denis Drolet, ça serait beau de marquer dans les journaux le lendemain, ça, hein? Ça serait pas marqué Michel Barrette, tu promènes avec sa belle dispitoune sur mon petit char tranquille. Ça serait marqué Michel Barrette, tu promènes avec des Denis Drolet en chevette, esti. Hey, une chevette brune, avec moi et assis des dents qui parlent tout le temps, la mère pleine de poils. Fait que le duo, là, ben, faut-toi ça dans le cul. Mesdames et messieurs, ce que ça nous prendra au Québec, c'est un sauveur. Non, mais c'est vrai, tabarnouche, hey, une personne engagée politiquement, avec de la classe. Non, mais ça permettra une ouverture vers le monde entier. Mais quand je vois ce beau jeune-là, et que je l'entends aussi, ben je me dis non! Il n'y a pas trop d'humoristes au Québec. Et j'ai nommé M. Elvis Graton. Ils l'ont-tu l'affaire, les Nord-Américains? Ah, mais oh, l'humour, on a ça dans le sang. Parce que les Canadiens français, on aime s'en faire rire de nous autres en tabarnak. Des drapeaux, des commandites, on va n'exporter partout à travers la planète. Puis en médecin, des balles de golf, des boules de Noël. Puis on cacherait ça avec des feuilles d'érable. Ding, bing, tabarnak. Ding bang, right now. Stéphane Bélanger. Merci beaucoup. Stéphane Bélanger. Et oui, je suis avec un des meilleurs imitateurs du Québec, Stéphane Bélanger, comment ça va? Ça va bien, finalement. Pas capable. Non, ça va très bien. Oui. Mais, hey, tu viens juste de sortir de scène, là, comment tu te sens? Super, les gens ici au Jésus sont incroyables. Oui, ça a super bien été. Bien content pour toi. Oui. Écoute, c'est terminé, le bar en arrière est ouvert, tu peux aller te gâter. Comment tu penses, d'ailleurs? Excellent. Salut, merci. Bye. Bye-bye.